Bonjour tout le monde, donc bienvenue sur Nice Fiction 2.0, l'édition 2020 100% virtuelle. Je suis Anthony Mémin et je vais être aujourd'hui animateur pour le temps de la conférence donc de 17h30 à 19h. Aujourd'hui, on va avoir Clément Ganineau, enseignant-chercheur, spécialiste en géologie à l'Université de Nice. Il va nous faire une présentation sur l'histoire de la Terre. D'hier à demain. Donc je vais laisser la parole à Clément et je vous retrouve à la fin de sa présentation. Bonjour, bonjour à tous. Merci Anthony. Donc merci aussi pour cette invitation. Et donc je vais vous parler pendant un peu plus d'une heure de la Terre, une planète bien confortable aujourd'hui, mais discuter à partir d'arguments géologiques ce qu'on sait de son habitabilité dans le passé et pour le futur. Alors un objectif dans le cadre de ce festival, c'est d'essayer d'apporter des briques et des roches même pour nourrir l'imaginaire et d'essayer de montrer comment avec des cailloux on peut nourrir donc l'imaginaire et peut-être la science-fiction. Alors un petit avant-propos pour discuter de ce à quoi correspond le temps en sciences de la Terre, parce que notre planète a un âge qui est estimé à 4,5 milliards d'années. Et là, si je fais une présentation d'une heure et quart, je vais avoir à peu près 4000 secondes pour présenter 4,5 milliards d'années d'histoire de la Terre. Ça correspond à peu près à une seconde pour présenter 1 million d'années. Alors, pour fixer les choses, notre lointain ancêtre, le premier du genre Homo, est apparu il y a à peu près 2 millions d'années. Donc, si je faisais un décompte précis, j'aurais à peu près 2 secondes de ma présentation pour vous parler du genre Homo. Donc finalement, on est quand même peu de choses. Alors, la Terre sur les temps longs, je vous présente ici une frise chronologique. On a découpé l'histoire de la Terre en grandes périodes. La première période qui va de 4,5 milliards d'années à peu près 4 milliards d'années, que l'on appelle les temps AD1, et c'est donc il commence au début de l'accrétion et il se termine au moment où on pense que la vie est apparue sur notre planète. Puis il y a une première grande période de l'histoire de la Terre qui est l'Archéen, qui dure jusqu'à un bouleversement majeur qui est l'époque où l'atmosphère devient oxydante. Je vous en parlerai un petit peu. Et puis, toute une longue période qui suit, qui est le protérozoïque, avant d'arriver au phanérozoïque, qui est la période dans laquelle on est, et qui est une période pendant laquelle la vie complexe se développe. Et donc, si on regarde, on fait un zoom sur le phanérozoïque et encore un zoom sur la dernière sous-période, l'ère cénozoïque, on voit la période qui est généralement connue des enfants et appréciée des enfants, qui va de la préhistoire jusqu'au dinosaure, hein, qu'on voit par là. Et donc, Homo sapiens, dans tout ça, ben, c'est pas grand-chose. Alors, au programme de cette présentation, je vais commencer par faire un petit panorama de la Terre actuelle, de voir quelques aspects géologiques de notre planète qui contribuent à son habitabilité. Et puis, il y aura une deuxième partie qui sera beaucoup plus. Je change de casquette, je ne serai plus le photographe de la Terre actuelle, mais je serai l'historien, et j'essaierai de voir comment on en est arrivé là, depuis donc 4,5 milliards d'années. Et après, je change de casquette, je prends le chapeau de Nostradamus, et puis j'essaierai de mettre quelques idées sur l'évolution future de la Terre, pour à peu près les 4 ou 5 prochains milliards d'années. Donc allons-y pour la Terre actuelle. Donc sur l'écran, là, vous avez une image satellite de la Terre. Ce n'est pas une image ultra bien résolue, mais c'est la première image de Météosat quand ce satellite a été envoyé en 2018. Ce qu'on voit qui est tout de suite, rien de bien extravagant, mais c'est une planète qui possède des continents, qui possède des océans, qui possède une atmosphère qui est visible ici parce que c'est le lieu où on peut observer les nuages. Et puis, bon, alors cette échelle-là, on ne voit pas grand-chose, mais il y a des volcans. Ici, par exemple, il y a les volcans des Canaries qui pourraient être observés, qui sont visibles à cette échelle-là.
Alors, cette image de la Terre que l'on a aujourd'hui, évidemment, elle n'a pas toujours été rigoureusement identique. Et ici, vous avez quelque chose qui vous montre que aux échelles de temps géologique assez proches, finalement, à l'échelle de quelques dizaines de millions d'années, voire quelques centaines de millions d'années, on a eu une géographie qui a bougé. Et donc ça fait partie de l'état des lieux actuel de la Terre, c'est qu'on a une Terre qui est soumise à une tectonique des plaques, avec donc des plaques lithosphériques qui se déplacent. Ces plaques lithosphériques, sur ce document-là, on voit que, il y a une répartition des altitudes sur Terre qui est vraiment très peu commune d'ailleurs sur le système solaire, mais avec deux pics d'altitude très bien déterminés. Il y a une grande partie de la surface de la Terre qui est autour de 300 mètres d'altitude, plus ou moins 300 mètres, on va dire ça comme ça. Très peu de terres qui sont au-delà de 4000 mètres d'altitude. Puis on a un peu un creux, on n'a pas grand-chose finalement comme terre autour de moins de 2000 mètres d'altitude par rapport c'est-à-dire 2000 mètres de profondeur par rapport à la surface de la mer. Puis on a un deuxième pic, on a une courbe bimodale, on dit, avec pas mal de surfaces de la terre qui sont autour de moins 5000 mètres, moins 4800 mètres de profondeur. Alors ça, c'est quelque chose qui est très très surprenant et qui vient d'un fait que la Terre a une dichotomie d'altitude qui est directement reliée à une dichotomie de la constitution de ces plaques qui sont en surface. Si on regarde la nature pétrologique des reliefs qui sont autour de 300 mètres, ce sont souvent des roches qui ressemblent à des granitoïdes, des granites. Tandis que si on va au niveau des roches qui sont aux alentours de moins 5000 mètres de profondeur, ben on a une autre nature pétrologique en surface, avec des roches qui sont plutôt des basaltes, plutôt des gabbros. Donc ça fait partie de ma photographie de la Terre actuelle. Et la question qu'on peut se poser, c'est y a-t-il toujours eu cette dichotomie avec des fosses remplies d'océans qui sont plutôt ces océans posés sur des croûtes gabbroïques et basaltiques? Et puis des continents émergés qui sont plutôt de nature granitique. Alors ça, c'est une question qui va être facile à élucider. Première chose que l'on peut noter, c'est que produire des plaques océaniques, ce n'est pas un processus compliqué. C'est quelque chose qui est accessible aux plus novices des cuisiniers. Il suffit de prendre une péridotite, qui est la roche majeur sur Terre, qui constitue près de 2/3 du volume de la Terre et qu'on trouve dans le manteau terrestre, donc en profondeur. Et cette péridotite, on la soumet à des hautes températures, on la fond partiellement, on fond un magma qu'on appelle un magma basique. Et ce magma, avec un peu de temps, il va cristalliser avec des petits minéraux et former un basalte. Et si on laisse beaucoup plus de temps, les minéraux vont avoir le temps de pousser, on va former une roche dont la composition chimique sera rigoureusement identique à celle du basalte, mais qu'il y aura des gros cristaux. Donc la constitution de la croûte océanique, de tout ce qui fait l'essentiel des reliefs à moins 5000 mètres de profondeur, c'est quelque chose qui est très simple à comprendre pour un géologue. On prend la plus bête roche terrestre, la péridotite du manteau, on la fond partiellement, et on fait de la croûte océanique. Ce qui est bien plus compliqué à comprendre, c'est comment on arrive à faire d'immenses volumes de granit, parce que là, pour le coup, c'est une recette trois fourchettes, donc il faut être un chef cuisinier pour fabriquer ça, parce que cette fois-ci, pour former des granites, c'est plus facile si on ne part pas d'une péridotite, mais qu'on part déjà d'une roche qui était elle-même issue d'un jus de fusion, donc on part d'une roche comme le basalte, auquel on apporte de nouveau de la chaleur et cette fois-ci un peu d'eau. Et grâce à ça, on va faire un deuxième type de magma qui, en cristallisant, donnera ces granites. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que dans la nature actuelle de la Terre, on a ces deux grands types pétrologiques. Et dans ces types pétrologiques, il y en a un qui est hyper facile à former, et il y en a un autre qui est beaucoup plus compliqué à former. Donc, dans la question que je posais dans la diapo précédente, est-ce que ça a toujours fonctionné comme ça? On peut imaginer que dès le début de l'histoire de la Terre, il y avait des péridotites, il y avait de la chaleur, donc il devait avoir des basaltes et des gabbros, ce type de magma-là. Est-ce que par contre, on avait ces reliefs émergés formés de granit? C'est quelque chose de plus compliqué. Et donc, il va falloir essayer de trouver des granites loin dans le passé. Autre chose que l'on a, donc on a parlé de plaques, de ces deux types de plaques, ces plaques se déforment.
Et c'est quelque chose qui est très bien, qui est très visible dans les paysages, notamment dans les paysages des Alpes-Maritimes, là où a lieu ce festival. Mais c'est également visible depuis l'espace. Ici, vous avez une image aérienne, pardon, une image satellite de l'Anti-Atlas, au Maroc. Et vous voyez une série de petites rides qui sont liées, en fait, à la déformation tectonique, ici, de la chaîne de montagnes de l'Anti-Atlas. Donc ça, c'est quelque chose qui est vu de dessus. Ici, vous avez une autre vue satellite, cette fois-ci le long de la faille de Pitiang, en Chine, où on voit de nouveau des structures plissotées, hop, pardon, des structures plissotées, mais cette fois-ci qui ont été décalées par une grande faille, ici, qui a fait un mouvement et qui a décalé ces structures plissées. Donc ici, finalement, on illustre les deux grands types de déformations qu'on a sur les plaques terrestres, qui sont des déformations plutôt ductiles. Quand on appuie, on va faire des plis. Et puis des déformations cassantes où, sous certaines conditions, on va plutôt casser et donner lieu à des failles. Alors, des failles dans la région, il y en a par exemple, si vous allez au jardin exotique de Monaco, on peut observer un plan de faille, c'est-à-dire un lieu où les roches ont connu une rupture. Et donc, actuellement, si on essaye d'avoir une image d'à quoi peut ressembler la déformation, les géologues sont très habitués à faire des coupes. Et ici, vous avez une coupe de ce qui pourrait être la chaîne alpine, qui passe par Seine-les-Alpes et qui va jusqu'à la plaine du Pô en Italie. Et on voit des grandes structures de plis déversées dans un sens, déversées dans l'autre sens. On voit des failles. Et donc, ça, c'est la tectonique telle qu'on la connaît actuellement. Cette tectonique, ben, on peut en faire l'expérience quotidiennement en mesurant, alors en ressentant pas souvent, mais en mesurant des séismes. Et la carte du haut montre l'enregistrement de tout un tas de séismes. La couleur indique la profondeur à laquelle la rupture a eu lieu, la taille du figuré indique l'énergie qui a été développée au cours de ce séisme. Ce qu'on voit, c'est que l'essentiel de ces petits points sont rouges, et rouge, ça veut dire que la plupart du temps, quand ça casse, ben, c'est en surface. Donc les plaques lithosphériques cassent entre 0 et 20 km de profondeur très classiquement, un peu moins fréquemment jusqu'à 50 km, et puis dans de très rares cas, on a des séismes qui ont des profondeurs qui peuvent aller jusqu'à quelques centaines de kilomètres, qui sont ici marqués en vert puis en bleu. Et ça, c'est quelque chose qui est possible que si on a une plaque cassante qui s'enfonce en profondeur. Donc, c'est quelque chose qui a été utilisé pour démontrer que dans certains lieux particuliers, on avait des plaques tectoniques qui passaient en subduction, c'est-à-dire qui plongeaient dans le manteau. Et donc, cette plaque restait cassante jusqu'à quelques centaines de kilomètres de profondeur. Donc, c'est une question qu'on pourra se poser aussi. Je suis toujours en train de faire la photographie de la Terre actuellement, mais est-ce que par le passé, on avait également une tectonique des plaques avec ce type de phénomène? L'autre chose qui est bien connue par les géologues, c'est que cette tectonique des plaques, elle est associée à du magmatisme. Et voici quelques volcans vus du ciel, de nouveau. Donc je fais un portrait vu de loin de notre planète. Ici, un volcan dont je ne m'aventurerai pas à prononcer le nom, mais qui a eu une éruption en Islande au cours des années 2000. Ici, un autre volcan dont je ne m'aventurerai pas non plus à prononcer le nom, mais cette fois-ci en Russie. Et puis un troisième volcan qui est plus connu, qui est un volcan qui appartient à l'archipel d'Hawaï, qui est le Kilauea. Donc trois volcans vus du ciel, ici en phase éruptive, avec des panaches de fumée. Alors ce qui est très clair aujourd'hui dans l'état des lieux du magmatisme de surface, du volcanisme terrestre, c'est qu'actuellement, sur Terre, on a l'essentiel du magmatisme, qui est un processus qui se produit aux limites des plaques lithosphériques. C'est-à-dire que si on regarde la quantité de magma émis en surface, on a 95% du magma qui est émis aux limites de plaques. Et dans ces 95%, ben c'est 80% qui sont au niveau des dorsales océaniques, par exemple la dorsale qui passe ici au milieu de l'océan Atlantique ou la dorsale Pacifique. Alors ici, dans les exemples que je vous avais mis, on a par exemple l'Islande, qui est un volcan émergé sur la dorsale. C'est un peu un volcan particulier, mais c'est un endroit où on peut observer la dorsale à l'affleurement. Et elle n'est pas 5000 mètres ou quelques milliers de mètres, en tout cas, sous le niveau des mers. Et puis l'autre grand lieu de limite de plaque, qui est une zone de magmatisme très importante, ce sont les zones de subduction. Alors là, les plus connues, ce sont
toutes les zones de subduction qui sont autour de l'océan Pacifique, qu'il s'agisse de la cordillère des Andes, des cordillères nord-américaines, ou de bah, toute la partie, tout l'archipel japonais. Ici, je vous ai montré, je crois, un volcan russe qui se situe au Kamchatka, qui est cette péninsule volcanique au nord de la Russie. Donc actuellement, l'essentiel des endroits où on a des roches qui remontent et qui fondent, ce sont, qui remontent fondues d'ailleurs, parfois, ce sont aux limites de plaques. Il reste quelques petits pourcents, peut-être 5% des volumes de magma qui sont au point chaud, et c'est le cas d'Hawaï que je vous ai présenté, ou de la Réunion, si on veut donner un exemple français. Donc, y a-t-il toujours eu des volcans? Et puis, de quel type? C'est aussi quelque chose que l'on va se poser comme question. Et puis, enfin, la surface de la Terre, aujourd'hui, elle est rarement frappée d'impact de météorites, mais ce sont des choses qui existent, et qui sont d'ailleurs spectaculaires. Donc, il existe des cratères d'impact qui sont rares. Ici, il y a le météore cratère, peut-être à gauche, le cratère de météorite sans doute le plus connu au monde et le plus visité. Et puis ici, un autre cratère. Alors, c'est souvent dans les environnements désertiques que l'on détecte bien les cratères. Et ici, celui-ci est en Mauritanie. Donc, un cratère bien circulaire. Donc là aussi, aujourd'hui, la Terre a de temps en temps un impact de météorite. Est-ce que ça a toujours été le cas? Et est-ce que la cadence est constante? Ou est-ce qu'il y a eu des périodes avec plus d'impact? Enfin, donc après avoir fait ce panorama sur la Terre solide essentiellement, on peut discuter de la Terre fluide et un minimum de son atmosphère et des climats qui sont liés à cette atmosphère en partie. Donc aujourd'hui, la Terre, si on regarde une photo de cette planète débarrassée de ses nuages, c'est très clair qu'il y a des zones climatiques très contrastées avec des climats équatoriaux, puis une ceinture ici tropicale désertique, et puis des climats tempérés, puis des climats polaires. C'est quelque chose qu'on a tous appris à la petite école. Ici, donc vous avez une carte des climats hein, qui illustre assez bien ce qu'on observe directement avec l'observation de la carte du dessus. Et aujourd'hui, donc cette atmosphère, elle est constituée essentiellement de molécules de diazote, qui est à peu près 80%, donc les 4/5 des constituants chimiques de l'atmosphère, puis de dioxygène. Donc finalement, le diazote, on n'en parle pas beaucoup, alors que c'est 80% du volume. Et puis, j'en parle un peu, là, le quatrième gaz, avec 0,035%, c'est-à-dire 350 ppm, aujourd'hui on est presque à 400 d'ailleurs, c'est le CO2, le dioxyde de carbone, dont on parle beaucoup parce qu'il est un gaz important à effet de serre. Et vous savez que l'humanité est responsable d'une teneur croissante en gaz à effet de serre, et plus particulièrement en CO2, et donc responsable en partie d'un changement climatique actuel. Donc aujourd'hui, il y a un changement climatique qui est largement commenté hein, par les experts scientifiques, par les journalistes, etc. Quid de cette évolution climatique aux grandes échelles de temps? Et puis on pourra faire un petit zoom sur la Provence, qui est une région que je connais un peu mieux, puisque j'y habite. Donc on discutera de tout ça. Donc la Terre actuelle, si je fais un petit bilan de cette première partie de mon exposé, c'est une planète avec peu d'impact de météorites, avec des grandes dépressions remplies d'eau que le commun des mortels appelle des océans, avec des plaques qui ont une dynamique, donc qui bougent. Certaines subduisent, donc plongent dans le manteau. Et puis on a cette espèce de dualité avec des plaques de nature continentale et d'autres de nature océanique, donc granitique ou basaltique, gabbroïque. On a du volcanisme. Mais ce volcanisme est essentiellement aux limites de plaques, au niveau des dorsales, pour grande partie, et puis un petit peu au niveau des zones de subduction. Et puis on a une atmosphère qui est respirable, même à travers un masque anti-Covid-19, et qui permet la mise en place de climats très contrastés. Alors, je fais un grand bond dans le temps, et je vais aller aux prémices de l'histoire de la Terre, il y a 4,5 milliards d'années ou presque, pour discuter l'habitabilité de notre planète et puis essayer de faire un portrait de ce à quoi elle pouvait ressembler. Donc voici la Terre nouvellement née. Cette planète, elle s'est formée par accrétion de corps rocheux.
Donc, il faut imaginer des millions de corps rocheux, dont d'ailleurs la distribution de taille est encore un problème de recherche très active. Et ces corps rocheux se sont accrétés, donc se sont agglutinés, le grumeau a grossi. Et donc, ben, c'est évident qu'au début de l'histoire de la Terre, il devait y avoir beaucoup plus d'impact que maintenant, parce que c'est justement le processus même de formation de la Terre, qui est un processus très rapide, qui a permis d'agglutiner beaucoup de masse en quelques millions d'années, quelques dizaines de millions d'années. De ces impacts, bon, ben, il reste pas de cratères d'impact en surface, mais on a tout un tas d'arguments. Et l'un des plus beaux arguments, d'ailleurs, c'est la Lune, notre satellite naturel, que l'on attribue aujourd'hui à un impact géant. Donc, on avait ici une planète qui était une proto-Terre, si vous voulez, qui a été impactée par un objet qui a actuellement disparu, mais l'impact était tellement important qu'on pense que c'était une petite planète et qu'on lui a même donné un nom. On l'appelait Théia. Et donc, suite à cet impact géant, il y a eu tout un tas de fragments rocheux qui ont été émis dans l'espace et qui sont restés finalement en orbite autour de la Terre et qui se sont rassemblés pour former la Lune. Donc ça, c'est un exemple d'impact géant. Nous, là, à la surface de la Terre, ben, tout ça a été lissé, a été caché par la végétation, a été érodé depuis 4,5 milliards d'années, évidemment, ou recouvert, au contraire. Mais on a d'autres planètes qui ont une géodynamique de surface peut-être un peu moins active et qui ont gardé tout un tas de cicatrices de cette période où il y avait beaucoup plus d'impact qu'aujourd'hui. Et c'est le cas ben, d'une petite planète, même si le terme de planète est un peu abusif, mais bon, de notre satellite naturel qui est la Lune, qui est remplie de cicatrices donc de ces impacts, ou d'une planète un peu plus grosse qui est Mercure, qui a de fortes similitudes avec la surface de Mercure et la surface de la Lune sont très très proches et sont clafis d'impact, de cratères d'impact. Donc, au début de l'histoire de la Terre, on devait avoir une planète qui était chauffée à blanc. Chaque fois qu'un impact se produit, il y a un transfert d'énergie cinétique, la vitesse et la masse de ces objets amènent de l'énergie, et cette énergie se transforme en tout un tas de choses, mais en partie en énergie calorifique. Donc la Terre devait être chauffée. Bon, on a pu faire des courbes pour avoir une idée de l'abondance de ces cratères d'impact. Alors ici, vous avez une courbe qui n'est pas forcément facile à lire, mais ça, c'était il y a 2 milliards d'années. La quantité en grammes par an de roches qui tombaient sur la Terre. Et on voit que, bon, ben là, on est dans un espèce de plateau, il ne se passait plus grand-chose. Je ne sais pas si actuellement les chiffres sont identiques, mais on ne doit pas être très, très, très loin de ça, j'imagine. Et on voit que, à cette époque-là, donc, le système solaire était purgé de l'essentiel de ces petits corps qui venaient percuter la Terre. Mais par rapport au tout début de l'histoire de la Terre, on avait, alors vous voyez, c'est une échelle logarithmique, chaque fois que j'augmente d'un cran, il y a 10 fois plus de masse qui tombe. Et donc là, il y a 10 fois plus, 100 fois plus, 1000, 10 000, 100 000, etc., pardon. Et on arrive à 10 ordres de grandeur de plus de masse qui tombait. Donc ça fait que, bah, clairement, il y avait beaucoup plus d'impact au début de l'histoire de la Terre que maintenant. Et cette vue d'artiste montre une surface qui est d'ailleurs constellée d'impact. Rouge sur une partie avec un magmatisme sans doute plus important, et c'est clairement ce qu'on imagine pour le début de l'histoire de la Terre. Donc, chaleur d'accrétion, plus un autre processus dont je ne vous ai pas parlé, mais au début de l'histoire du système solaire, il y avait beaucoup plus d'éléments radioactifs que maintenant. On va dire que maintenant, on a toujours une radioactivité forte dans la Terre, mais bon, on a plus que ce qui reste. Il y en a beaucoup qui a déjà été épuisé. Et donc, toute cette chaleur aboutit à la fusion de la Terre, et c'est quelque chose que peu de ses habitants savent, mais la Terre a été à un moment donné probablement totalement fondue, avec un océan magmatique géant, donc une espèce de boule de magma, peut-être avec une croûte froide figée sur le dessus, et le manteau terrestre, qui aujourd'hui est entièrement pierreux, ou presque, était largement fondu à l'époque. Alors, j'ai fini avec la toute petite enfance de la Terre. Comme vous avez vu, là, je ne me suis pas beaucoup appuyé sur des objets, à part les photos de la Lune ou de Mercure, parce qu'il ne nous reste pas grand-chose de cette époque-là, de ces temps AD1. Même les temps archéens, qui sont les temps un peu plus tardifs, il y a très peu de roches qui persistent. Donc, si on veut s'intéresser à l'enfance, on va dire, de la Terre, il va falloir aller chercher à des endroits où ces roches
affleurent. Alors, ça veut peut-être dire qu'elles ont été protégées par un moment, puis l'érosion les a décapées, ou en tout cas qu'elles n'ont pas été recouvertes. Mais par exemple, en Europe, là, un Français qui veut étudier, métropolitain qui veut étudier ces roches-là, il a peu de chances de rencontrer de très vieilles roches. Et du coup, il doit aller ben, peut-être en Finlande ou peut-être en Guyane pour trouver ce genre de choses. Alors, allons voir les roches archéennes. Je vais juste vous citer deux exemples de roches archéennes. Alors, des premières, pardon, je vais aller vous faire un peu visiter deux continents. Donc, on va partir premièrement au Groenland, aller voir les roches d'Ishua qui sont dans cette partie du Groenland. Puis après, on ira dans l'ouest de l'Australie. On sort du confinement. Donc, allons au Groenland tout d'abord. Alors, au Groenland, on a trouvé parmi les plus vieilles roches connues sur Terre. Donc, vous voyez, c'est des roches qui sont à peu près à 3,8 milliards d'années. On a la Terre qui a 4,5 milliards d'années. Ça, on le sait avec des âges de météorites essentiellement. Et puis, c'est l'âge du système solaire. La Terre s'est formée en même temps que le système solaire dans sa grande globalité. Et puis, entre 4,5 milliards d'années et 3,8, on a très très peu de témoins. Et il a fallu attendre 3,8 pour que, voilà, on ait des roches que maintenant on peut aller échantillonner. Alors, ce sont des roches qui ont été échantillonnées au sud-ouest du Groenland et qui ont fait l'objet d'un article scientifique il y a 4 ans, qui est un article que je trouve... c'est un article qui a été publié dans Nature, qui est un article majeur, parce qu'il montre tout simplement les plus anciens fossiles au monde. C'est-à-dire que ces espèces de figures qui ne vous inspirent pas grand-chose, qui font des espèces de champignons là, sur des niveaux qui ont l'air assez plats, c'est quelque chose que les géologues connaissent bien, qui s'appelle des stromatolites, qui existent, qui sont des formes de vie très simples, finalement, des formes bactériennes, espèces de colonies de bactéries, et ça existe encore, là on en voit dans la baie des requins en Australie, c'est ce qui forme ces champignons qui affleurent juste à fleur d'eau. Et ce sont des formes de vie assez simples, bactériennes, qui vivent de lumière et de CO2 essentiellement. Et leur mode de vie fait que ces organismes-là pompent du CO2, du dioxyde de carbone, et la réaction entraîne la précipitation d'un carbonate de calcium, vraiment on appelle ça du calcaire, et donc ces espèces d'édifices, de champignons, ce n'est pas la fossile de la bactérie même, les bactéries ont fait des films qui seraient microscopiques, mais année après année, saison après saison, ces films bactériens font grossir ces espèces de champignons de calcaire. Et ces champignons de calcaire qu'on trouve aujourd'hui témoignent d'une vie qui existait déjà il y a 3,8 milliards d'années. Alors ça, c'était un premier exemple de roche très ancienne. Deuxième exemple de roche très ancienne, alors là, je vais aller directement à les plus vieilles espèces minérales du monde. Et cette fois-ci, si on va dans l'ouest de l'Australie, il y a des formations qui sont des formations gréseuses, c'est-à-dire grosso modo des sables qui ont été indurés. Et ces roches-là ont eu une histoire très très complexe et très riche. Mais déjà, il s'agit de roches qui se sont déposées il y a 3 milliards d'années, qui ont été un peu recuites, on appelle ça métamorphisées en géologie, il y a 2,6 milliards d'années, 400 millions d'années après avoir été déposés. Mais à l'intérieur de ces roches, donc il faut imaginer, c'est un sable. Donc ce sable, il reçoit, comme les sables que vous avez sur les plages, des particules qui ont été érodées sur les massifs qu'il y avait autour. Et là, dans les massifs qu'il y avait autour, il devait y avoir des roches particulièrement anciennes, parce que certains petits minéraux que l'on trouve dans ces roches, les zircons, ont des âges très très anciens, et même les âges les plus anciens qu'on ait connus au monde. Donc il y a des géologues qui sont allés échantillonner ces roches, trier les zircons. Alors les zircons, peut-être que vous avez déjà entendu parler de ces minéraux, c'est des minéraux qui sont utilisés en joaillerie maintenant, c'est des silicates de zirconium, mais peu importe. Et donc dans cette localité australienne qui s'appelle Jack Hills, on a trié des milliers de zircons. Donc ici vous avez des zircons triés, et une pièce de monnaie australienne pour montrer l'échelle. Si on prend un seul de ces zircons et qu'on le place sur la pièce de monnaie australienne, on voit qu'il est tout petit, là, cette espèce de tache sur la figure qui est sur la pièce australienne. Ce sont des minéraux qui sont fréquents dans la croûte océanique, fréquents dans la croûte continentale, fréquents mais beaucoup plus rares dans la croûte océanique et dans le manteau.
Alors, ce qui est assez amusant en sciences de la Terre, c'est que pour étudier des tout petits objets, comme ces tout petits zircons, on est obligé d'utiliser des énormes machines. Et donc, ça, c'est la sonde ionique qui a été utilisée pour analyser ces zircons et pour les dater. Et donc, ces zircons, ils ont été datés en 2001. Donc, voilà un zircon énormément grossi. Et ces zircons, je vais passer le détail de la méthode, mais ces zircons incorporent de l'uranium quand ils cristallisent. Et petit à petit, cet uranium se transforme en plomb. Et à leur naissance, ces zircons n'avaient pas de plomb. Donc, si on arrive à savoir combien il y a d'uranium et de plomb, on arrive à savoir, connaissant la désintégration naturelle de l'uranium en plomb, on arrive à savoir l'âge. Et donc, on a des zircons qui tapent à des âges de 4,4 milliards d'années. Pour une planète qui a 4,56 milliards d'années, ben, on peut dire qu'on est quasiment dans des minéraux qui datent la formation de la Terre. Alors, c'est assez intéressant parce que là, on a des minéraux qui seraient des témoins de reliefs qui ont été érodés, donc d'une croûte qui existait il y a 4,4 milliards d'années. C'est une époque où la Terre était activement bombardée. Et donc, on devait avoir une dynamique externe qui a dû effacer pas mal de choses. Alors, si on regarde ces zircons, certains ont des arêtes qui sont bien saillantes, d'autres sont très émoussées, ce qui fait dire à certains géologues qu'il devait déjà y avoir à l'époque des rivières, il y a 4, quelque chose milliards d'années, pour transporter ces zircons et les émousser. Ces zircons ont aussi d'autres choses très intéressantes, c'est qu'à l'intérieur de ces zircons, on peut trouver des inclusions. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, il faut imaginer qu'il y avait un minéral qui était là par là. Et puis le zircon a poussé autour de ce minéral, et maintenant on trouve un minéral à l'intérieur du zircon qui nous renseigne sur finalement l'environnement qu'il y avait au moment où le zircon a poussé. Et donc dans les zircons de Jacques Hills, on a des minéraux qui sont tout à fait particuliers, qui sont des grenats, peut-être que vous connaissez ces minéraux, ce sont des petits minéraux rouges qui sont également utilisés en joaillerie, et des diamants qui eux aussi sont clairement utilisés en joaillerie, mais qui sont tous les deux des minéraux qui signent des hautes pressions. C'est des minéraux qui ne sont stables que sur une certaine épaisseur de croûte, ou ça peut exister aussi au moment où il y a des impacts de météo. Donc c'est quelque chose qui est assez intéressant, c'est que le scénario le plus simple pour former des grenats et des diamants, c'est d'avoir une croûte à la surface de la Terre assez épaisse pour que dans les profondeurs de la croûte, il y ait des pressions suffisantes pour que le grenat et le diamant soit stable. Alors tout ça, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit ben, une croûte épaisse avec des reliefs, ça sent très très fort le continent, tout ça. Et donc je vous ai dit qu'il fallait des recettes de cuisine très compliquées pour former des granites, mais vraisemblablement les zircons de Jack Hills ont dû se former dans ce type de roche, et donc ce type de roche continentale devait déjà être présent à l'époque de la cristallisation de ces zircons, c'est-à-dire il y a 4,4 milliards d'années. Donc les continents tels que nous les connaissons aujourd'hui, érodés par des rivières, etc., c'est quelque chose qui n'est peut-être pas si récent, qui n'est peut-être pas si récent que ça, mais qui existe peut-être presque depuis le début de l'histoire de la Terre. Alors dans un festival sur la science-fiction, je suis obligé de montrer ce genre de belles vues d'artistes. Donc on pouvait imaginer le début de l'histoire de la Terre comme une planète extrêmement hostile, et c'est sans doute le cas, avec énormément d'impact. Avec du volcanisme, je vais y venir très prochainement, très très chaud et très intense. Vraisemblablement, ce que nous apprennent les roches et notamment les zircons de Jack Hills, c'est que peut-être que le début de l'histoire de la Terre ressemblait plus à ça, c'est-à-dire un environnement certes chaud, certes avec du volcanisme, certes avec pas mal de cratères d'impact, mais avec quand même une géodynamique externe, c'est-à-dire des circulations d'eau. Et sûrement des précipitations qui permettaient le transport, l'émoussage des zircons. Donc peut-être qu'une bonne image de cette époque-là, c'est plutôt celle-ci. Alors ces continents, je vous ai dit que bon, on en a aujourd'hui, qu'il y en avait dès le début de l'histoire de la Terre. J'aime bien montrer ce document-là à mes étudiants, parce que c'est un document qui montre à quel point notre connaissance sur l'évolution des continents est encore assez lacunaire. Alors, j'essaye de m'expliquer. Ici, vous avez un document avec un axe qui est le temps. Nous, on est ici en train de regarder un live stream. Et ça, c'est il y a 4,5 milliards d'années quand la Terre s'est formée. Ces courbes,
qui sont au nombre de 5, montrent des modèles différents de chercheurs ou de couples de chercheurs sur comment on est passé d'un moment où la Terre ne devait pas encore avoir de continent au moment aujourd'hui où la Terre a 100% de la croûte continentale formée, c'est-à-dire à peu près pas loin du quart de sa surface qui est recouverte de plaques continentales, de croûte continentale plutôt. Alors, ce que je trouve intéressant, c'est que ces modèles, bon, ils partent tous de zéro et ils arrivent tous à 100, mais on voit que les trajets n'ont absolument rien à voir. Et ce que je trouve absolument fascinant, c'est que même pour les processus actuels, les chercheurs ne sont pas d'accord. C'est-à-dire qu'il y a des gens comme Armstrong qui disent que depuis 3,5 milliards d'années, on est à un équilibre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas plus de croûte continentale qui est détruite que de croûte continentale qui est formée. D'autres chercheurs comme Cliff disent non, pas du tout. On est passé par un moment où on avait énormément de croûte continentale et petit à petit, ben, l'érosion a pris le dessus d'une certaine manière et on érode plus de croûte continentale que ce qu'on en produit par les processus magmatiques. Et d'autres chercheurs ont des scénarios complètement différents, comme par exemple Taylor et McLennan qui disent à peu de choses près, j'exagère en disant que c'est une augmentation continue, mais on a quelque chose... Plus le temps passe, plus on a de continents. Donc les chercheurs n'arrivent pas à se mettre d'accord sur ce qui se passait ici. Alors, c'est de là à dire que tout reste assez hypothétique pour à quel moment on est arrivé à cette dichotomie continent-océan telle que je l'ai présentée tout à l'heure. C'est encore un sujet de recherche active, donc pour montrer qu'il y a encore pas mal de choses à découvrir. Alors là, on a parlé des granites, qui était la partie un peu difficile. Donc j'ai commencé par ce qui était difficile. Je vais passer maintenant à ce qui est beaucoup plus simple finalement, ce sont les roches de type basalte que l'on connaît très bien aujourd'hui. Et je vous ai dit, aujourd'hui, pour former du basalte, on prend une péridotite, on la fond, ça fait du basalte. Alors ici, vous avez un diagramme. Alors de nouveau, vous avez l'âge. Alors cette fois-ci, il est à l'envers, j'en suis bien désolé. Donc nous, on est ici à 0 milliard d'années. Ça, c'est 4 milliards d'années. La Terre s'est formée quelque part par ici. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, l'essentiel des basaltes qui se forment, ce sont des roches qui dérivent de la cristallisation d'un magma, qui est un magma chaud, un magma qui est à peu près à 1250 degrés ici, sur cette figure. Et donc ces basaltes, là il y en a deux types, je n'entrerai pas dans les détails, les basaltes de points chauds et les basaltes d'érides océaniques, ont des teneurs en magnésium qui témoignent justement de ces températures. Il y a un lien quasiment direct entre la teneur en magnésium, qui dit à quel point la roche a fondu, et la température de la lave. Ce qui est très intéressant, c'est que si on remonte dans le passé et qu'on essaye d'aller trouver les roches qui ressemblent à des basaltes le plus loin possible, ben on tombe sur toute une série de tout un tas de roches, mais dont des roches qui ont des très fortes teneurs en magnésium. Plus on va vers le passé, plus on tombe vers des roches qui ont des fortes teneurs en magnésium et du coup qui témoignent de températures plus élevées que les températures des basaltes actuelles. Donc, ce qui est très intéressant avec ça, c'est que finalement, la teneur en magnésium des roches nous donne directement un thermomètre, un paléothermomètre, si vous voulez, de la température des magmas par le passé. Alors ça, c'est la première chose. Ces roches-là, donc qui sont identifiées par des points, sont des roches qu'on n'appelle pas des basaltes, parce qu'elles sont un peu différentes, notamment du point de vue des textures, en plus des différences de composition chimique. Ce sont des roches qu'on appelle les comatites. Alors, les comatites, je vais en dire deux mots. Ce sont des roches absolument magiques. Ce sont des roches qui ressemblent à des basaltes, qui ont à peu près les mêmes minéraux, des pyroxènes, des olivines, des plagioclases, mais je ne vais pas en parler beaucoup, mais qui ont surtout des textures qui sont des textures très extravagantes. C'est-à-dire que si vous regardez un magma que vous mettez en surface aujourd'hui, il va cristalliser en faisant des tout petits grains qui ne sont pas visibles à l'œil nu. Alors que les magmas qu'il y avait il y a 2, 3, 4 milliards d'années, qui étaient des magmas qui sortaient beaucoup plus chauds, ben, ces magmas-là, quand ils cristallisaient, c'était des magmas qui étaient à 1600 degrés, qui arrivaient directement à la température de surface, qui était peut-être un peu plus que 15 degrés, mais pas beaucoup. Et du coup, il y avait un grand écart entre la température du magma et puis la température à laquelle ce magma se met en place. Et dans la nature, quand on a des processus de cristallisation très très loin des températures d'équilibre, ben, on se retrouve à former des cristaux un peu fantastiques. Or, c'est ce qui s'est passé avec ces comatites qui cristallisent avec des espèces de gerbes de cristaux, dont certaines olivines qui peuvent faire plusieurs mètres de longueur.
Alors, ça, c'est des choses que vous connaissez sans le savoir, ces espèces de cristallisations très violentes et hors équilibre. C'est ce que vous avez quand vous allez en station de ski l'hiver, qu'il a fait beau pendant la journée, qu'il y avait un peu d'humidité dans l'air, donc il y a des petites gouttelettes d'eau qui sont venues se mettre sur votre pare-brise ou sur le, j'en sais rien, sur le toit de votre véhicule. Et puis, en montagne, la nuit tombe quasiment d'un coup et la température également. Et donc, j'en sais rien, moi, à 17h, la nuit tombe. Et d'un seul coup, la température passe de 2, 3 degrés à 0 degré. Mais la petite gouttelette d'eau n'a pas encore cristallisé à 0 degré. Et puis, la température tombe, moins 1, moins 2, moins 3, moins 5, moins 10 degrés. Et à un moment donné, on se retrouve avec une gouttelette de liquide qui n'est pas encore cristallisée alors qu'on a des températures de moins quelque chose degré. Et au moment où elle cristallise, c'est pour ça qu'elle trouve un germe, une petite poussière ou quoi que ce soit, elle va cristalliser de façon très rapide et en formant une gerbe, ça fait des cristaux dendritiques, on appelle ça. Et donc c'est quelque chose que vous avez pu voir ou dans des flaques de boue ou du coup sur les pare-brises de vos voitures, des espèces de grandes gerbes de cristaux qui témoignent exactement du même processus que les gerbes de cristaux formées dans les basaltes à l'époque où ces basaltes étaient beaucoup plus chauds et arrivaient dans une atmosphère froide, plus ou moins froide comme on la connaît aujourd'hui. Donc ces magmas sont des magmas absolument fantastiques. Un autre aspect très magique avec les magmas comatitiques, c'est des magmas qui sont très chauds et qui ont très très peu de silicium. Et ces deux facteurs font que ce sont des magmas qui sont beaucoup plus fluides que les magmas basaltiques que l'on a aujourd'hui. Un basalte aujourd'hui, vous avez tous vu au minimum des images à la télévision de rivières de lave à Hawaï ou à La Réunion. Et vous voyez ces espèces de liquides incandescents de couleur rouge et qui s'écoulent comme s'écoulerait un pot de miel que vous renverseriez. Donc il y a des espèces d'écoulements, les géophysiciens disent laminaires, c'est-à-dire avec des couches qui s'écoulent d'autant plus vite qu'on est haut dans la coulée. Les comatites, les liquides comatitiques, ça n'avait rien à voir avec ça. C'était des liquides très chauds qui devaient s'écouler plutôt, non pas comme une rivière de miel, mais comme un torrent de montagne avec des turbulences. Et cette lave très chaude avec des turbulences avait tendance à faire fondre et à assimiler le substratum rocheux sur lequel elle s'écoulait. Et puis une dernière chose, donc imaginez des laves qui s'écoulent comme un torrent, pour ajouter un dernier point très bucolique. Aujourd'hui, si vous allez regarder des laves sur un volcan la nuit, vous n'avez pas besoin de prendre une lampe de poche pour les voir. La lave, elle est rouge, elle est incandescente. Et cette couleur, ben on sait depuis que les physiciens comme Boltzmann ont mis ça en évidence, que cette couleur, elle est immédiatement liée à la température de l'objet. Donc, c'est-à-dire que si la lave rayonne dans le rouge la nuit, c'est parce qu'elle est à 1200 degrés. Moi, si je rayonne dans l'infrarouge, c'est parce que je suis à une température de 37 degrés, je n'ai pas le Covid-19. Les comatites, elles sont à 1600, 1700 degrés. Et à 1700 degrés, ben une lave, elle n'est plus tout à fait rouge, elle est jaune, presque sur le bleu. Donc il faut imaginer des rivières comatitiques de lave s'écoulant comme des torrents et émettant de la lumière dans le bleu. Donc je pense qu'il y a là de quoi inspirer tout un tas d'illustrateurs de science-fiction. On pourra en rediscuter si vous voulez. Donc tout ça, qu'est-ce que ça témoigne? Ça témoigne, bon, j'ai fait une immense parenthèse sur les comatites, vous avez compris que j'aime bien ces roches-là, mais tout ça témoigne d'un refroidissement séculaire de la Terre, c'est-à-dire que la Terre s'est formée très chaude, et depuis des milliards d'années, elle refroidit, elle refroidit, elle refroidit, et ça se voit jusque dans ces magmas émis en surface. Alors, cette production de chaleur, c'est quelque chose que les géophysiciens ont pu quantifier. Et par rapport à l'actuel, on pense que la Terre primitive, très jeune, produisait 5 fois plus de chaleur que la Terre actuelle. Alors c'est très intéressant ça, parce qu'aujourd'hui, la chaleur qui est produite à l'intérieur de la Terre, elle est évacuée essentiellement. Alors vous avez un document pour un géologue, c'est très lisible, peut-être que ça ne l'est pas pour tout le monde. Vous avez ici en trait noir les continents. Et ce que vous voyez, l'échelle de couleur montre l'évacuation de chaleur. Donc ici, c'est des unités, ce sont des watts par mètre carré, enfin des milliwatts par mètre carré, plus précisément. Et vous voyez que l'essentiel de l'évacuation de chaleur, elle se fait au niveau de structures qui sont au sein des océans. Ça, ce sont les dorsales océaniques. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'évacuation de chaleur, elle se fait au niveau de ces dorsales océaniques. Première donnée.
Deuxième donnée, à l'Archéen, il y avait 5 fois plus de chaleur à évacuer. Ben ça, c'est quelque chose qui est très inspirant. Et une solution facile pour résoudre ce problème, c'est de dire que la Terre aujourd'hui a un certain nombre de longueurs de dorsales océaniques. Mais à l'époque de l'Archéen, où il y avait plus de dorsales, où il y avait plus de chaleur à évacuer, ben un moyen simple pour évacuer plus de chaleur, c'est de faire plus de longueurs de dorsales océaniques. Et du coup, au lieu d'avoir des grandes plaques tectoniques comme l'on connaît aujourd'hui, on devait avoir toute une constellation de petites plaquettes tectoniques. Donc, la Terre aujourd'hui, on a une tectonique des plaques avec évacuation de chaleur au niveau des dorsales océaniques. Il y a plusieurs milliards d'années, on devait être dans une tectonique des plaquettes avec des petites plaques qui devaient plonger et remonter à des vitesses sans doute un peu plus élevées que maintenant. Alors, ces plaques, en plus, elles étaient chaudes, donc elles avaient des modes de déformation très différents des plaques actuelles. Je vous ai mis pour mémoire en bas de cette diapositive une coupe de chaîne alpine où on voit qu'aujourd'hui on a une tectonique qui est essentiellement avec des raccourcissements horizontaux, des contraintes horizontales qui font des plis, des failles, des chevauchements. À l'Archéen, on avait quelque chose de très différent avec des plaques molles qui devaient s'enfoncer sur leur propre poids, s'invaginer et faire des structures comme celle-ci. Donc on avait des processus tectoniques différents de ceux qui existaient aujourd'hui, mais on avait déjà une tectonique. Alors, on a parlé de la tectonique. Là, je viens de vous faire un long topo sur une partie du volcanisme qui est le volcanisme comatitique. Pour l'instant, j'ai pas trop discuté des volumes de magma émis. Et c'est ça que j'aimerais discuter maintenant avec vous. C'est est-ce qu'avant, il y avait plus de volcanisme ou pas que maintenant ? Alors, ce qui est sûr, c'est qu'on a très peu de contraintes sur le passé lointain, parce qu'il y a très peu de roches archéennes, donc qui ont plusieurs milliards d'années. Par contre, on connaît très bien ce qui s'est passé sur les 300 derniers millions d'années. Et là, vous voyez sur cette carte, en rouge, toutes les zones où on a eu, à un moment donné, une émission massive de magma. Alors, je citerai trois de ces zones, peut-être, les trappes de Sibérie, donc c'est une grande province qui se trouve au nord de la Sibérie et qui s'est mise en place il y a 250 millions d'années, donnant lieu à une immense crise de la biosphère avec énormément d'espèces qui ont disparu et de genres qui ont disparu. Les trappes du Deccan, qui est une immense province magmatique dont je vais parler également la diapo d'après, qui s'est mise en place il y a 65 millions d'années. C'est le moment où ont disparu les ammonites, fossiles qui sont des organismes qu'on trouve classiquement comme fossiles, vous avez sans doute déjà vu. Les dinosaures, qu'évidemment vous avez tous en tête. Donc, au moment où toutes ces espèces disparaissent, ben, on a une immense province magmatique qui se met en place sur la partie occidentale de l'Inde. Et puis la Columbia River, donc c'est dans l'Ouest américain, c'est la zone la plus récente où on a eu d'immenses émissions de magma. Alors, pourquoi on a eu ça ? Ça, c'est quelque chose qui commence à être bien connu. En fait, il arrive que dans le manteau terrestre, qui est solide, hein, on est des anomalies de chaleur, des endroits où il y a eu accumulation de chaleur. Cette anomalie va remonter, c'est le principe de la convection, hein, c'est-à-dire que comme c'est plus chaud, c'est un peu moins dense, comme c'est un peu moins dense, ben, avec la poussée d'Archimède, ça remonte. Et donc, on a quelque chose qui remonte, et quand on a quelque chose qui remonte dans un milieu visqueux, ça finit par former une forme de champignon, avec une queue et une tête de champignon. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un panache. Et ce panache-là va remonter jusqu'à arriver au niveau de la lithosphère. Et là, il va transférer toute la chaleur qui était contenue dans la tête du champignon à la lithosphère et donner lieu à un immense magmatisme, un magmatisme très conséquent. Ça, les grandes provinces magmatiques. Et donc, une fois que cette tête a transmis toute son énergie, a fait des millions de kilomètres cubes de magma, ben, qu'est-ce qui reste ? Il reste la queue du panache qui, pendant plusieurs millions d'années, va continuer à faire un petit magmatisme. Un exemple majeur, alors il faut imaginer que si la plaque bouge, ben, ce petit magmatisme il va faire un chapelet de volcans. Et c'est exactement une belle illustration que l'on a, c'est l'illustration dans l'océan Indien du lien entre les trappes du Deccan, donc cette grande province magmatique qui s'est mise en place au niveau de l'Inde. Puis l'Inde a migré vers le nord, elle est venue en collision avec l'Eurasie, ce qui a donné l'Himalaya. Et le trajet de la queue de panache peut se voir par tout un tas de chapelets de volcans qui se sont formés il y a 55 millions d'années, 48 millions d'années, 35, 8,
et désormais La Réunion, qui est la queue de panache résiduelle de la mise en place des trappes du Deccan. Alors pourquoi c'est intéressant ces grandes provinces magmatiques? Si je reviens à l'état des lieux que j'avais fait de la Terre actuelle au début de ma présentation, j'y décrivais qu'aujourd'hui le magmatisme en surface, le volcanisme, était essentiellement un processus de limite de plaques. Et le volcanisme intraplaque, donc qui a lieu ailleurs que dans des limites de plaques, était quelque chose d'assez réduit. Ben, au moment des grandes provinces, de la mise en place des grandes provinces magmatiques, c'est-à-dire il y a 250 millions d'années, 201 millions d'années, 183, 122, 88, etc., et 16 millions d'années, à cette époque-là, d'un seul coup, on avait d'immenses volumes de magma qui se mettaient en place, et finalement, ça reléguait le magmatisme des dorsales et celui des zones de subduction qui existaient également à une toute petite portion du magmatisme restant. L'essentiel de l'activité magmatique à ces moments-là, c'était du magmatisme de point chaud, si vous voulez, qui était du magmatisme intraplaque. Alors, je vous laisse constater quand même la récurrence de ces événements, hein, 61, 56, 30, 16. Bon, ben, le prochain arrive bientôt. Alors, pourquoi je dis ça un peu à la légère, mais c'est un vrai problème? Et parce que c'est quelque chose qui n'est absolument pas sans conséquence sur l'environnement quand on a un immense volume de magma qui se met en place en surface. Et ici, sur ce document, on a donc de nouveau, nous sommes ici, et on remonte le temps jusqu'à il y a 300 millions d'années. C'est là où on a des bons enregistrements de ces événements magmatiques. Chaque fois qu'il y a la mise en place de ces grandes provinces magmatiques, il y a un bandeau rose avec le nom de la province magmatique en question. Bon, je vous ai parlé de la Columbia River, des Deccans ou des trappes de Sibérie. Et puis en vert, là, vous avez la courbe, le trait noir, et puis la zone coloriée en verte, qui montre les extinctions de genres, c'est-à-dire le nombre de genres et d'espèces animales et végétales qui ont disparu. Et ce qu'on voit qui est très 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 clair, c'est qu'il y a une espèce de bruit de fond, c'est-à-dire qu'au cours du temps, il y a 10% d'extinction, plus ou moins tout le temps. Mais de temps en temps, on a eu des pics d'extinction avec 40% des espèces qui disparaissaient ou 60% des espèces qui disparaissaient. Et de façon assez spectaculaire, ces pics d'extinction sont souvent synchrones de ces immenses événements magmatiques. Donc on attend le prochain avec une certaine anxiété. Alors, une certaine anxiété parce que nous sommes les espèces en présence, mais finalement, la dernière grande extinction, qui est celle qui a vu la disparition des dinosaures, ici vous avez un arbre généalogique des dinosaures, on voit que les dinosaures, ils ont tous disparu à 65 millions d'années, l'arbre généalogique s'arrête là. Alors, on pourrait discuter des oiseaux, hein, qui sont les lointains cousins des dinosaures, et, qui sont d'une certaine manière les descendants des dinosaures. Mais on va dire que la disparition des dinosaures, ça a surtout fait la place à un petit groupe qui était très 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 clairsemé et qui s'est complètement développé à partir de 65 millions d'années. C'est le groupe des mammifères dont nous faisons partie. Donc le bonheur des uns, c'est le malheur des autres et vice-versa. Alors après, tout ça, ça veut dire, qu'est-ce que je suis en train de vous dire? C'est que la faune change de forme. Ici, je vous mets deux images pour vous montrer à quoi pouvait ressembler la faune de Burgess il y a 527 millions d'années. Burgess, c'est au Canada. Donc, avec un certain nombre d'espèces dont j'ai aucune idée des noms, du mode de vie, etc. Et puis ici, la faune des Maldives, dont j'aimerais bien connaître le nom et le mode de vie. Pour vous montrer que tout change, mais avec une certaine continuité. Et l'essentiel des plans d'organisation des animaux ont été mis en place finalement il y a plusieurs centaines de millions d'années. Alors, j'arrive à mon dernier point dans mon boulot d'historien. Je vous avais dit que j'allais parler également de l'atmosphère et des climats. Et là, ça devient assez compliqué pour un géologue d'avoir une idée des climats anciens. Comment on connaît la composition de l'atmosphère au cours des temps géologiques? La réponse, c'est difficilement. Depuis environ 1 million d'années, on n'a pas trop de difficultés parce que au niveau des glaces polaires, au moment où la glace se forme, au départ c'était des cristaux de neige, puis ça a formé de la glace, ces cristaux de neige ont pu piéger des petites bulles d'air que l'on retrouve dans la glace, je trouve que ça se voit assez bien sur cette photo-là, et donc il suffit d'échantillonner ces petites bulles de gaz et de les analyser, et on a directement accès à la composition de l'atmosphère pour le dernier million d'années. Ça, c'est une formalité, mais on ne remonte pas très loin.
Pour remonter un peu plus loin, alors jusqu'à 200 millions d'années, on peut faire à peu près le même travail, mais au lieu d'utiliser les bulles d'air piégées dans la glace, on utilise les bulles d'air piégées dans l'ambre. Vous savez, l'ambre, c'est cette espèce de résine fossile, justement, dont on a entendu parler dans Jurassic Park. C'est à partir de là qu'on trouve un insecte avec du sang de dinosaure, etc., etc. Donc ici, d'ailleurs, il y a un insecte qui ressemble vaguement à une fourmi, qui a été piégé, et en même temps que cette fourmi s'est engluée dans la résine, il y a eu des petites bulles d'air qui ont été piégées. Et si cette ambre a été formée il y a 200 millions d'années, et que j'arrive à extraire le gaz qu'il y a dans la petite bulle d'air, je peux avoir une idée de la quantité de CO2, de dioxygène, d'azote qu'il y avait à cette époque-là. Si je veux remonter plus loin, ben ça devient vraiment très compliqué. Alors, si on veut remonter jusqu'au Carbonifère, on peut utiliser donc à peu près 300 millions d'années, on peut utiliser d'autres choses. Alors, il y a une méthode qui est assez amusante, c'est les indices tomatiques. Alors, il y a des biologistes qui se sont rendus compte que les feuilles de certains végétaux avaient d'autant plus de petits trous, de stomates, que les teneurs en dioxyde de carbone étaient faibles. Ce qui fait qu'ils ont fait des espèces d'échelles, et à partir, en dénombrant le nombre de petits stomates sur des feuilles fossiles de végétaux, ils peuvent avoir une vague idée des quantités de CO2 atmosphérique. Après, quand on remonte plus loin, ben, ça devient très compliqué. Mais on va dire que si on remonte vraiment au plus loin qu'on peut remonter, c'est-à-dire au début de l'histoire de la Terre, ben, l'atmosphère primitive de la Terre, le plus simple, c'est de dire que la Terre étant formée d'un agglutinat de météorites, ben, l'atmosphère primitive de la Terre, ça doit être celle que l'on obtient quand on fait dégazer des météorites. On prend une météorite, on la chauffe, et on a une idée d'à quoi devait ressembler l'atmosphère primitive de la Terre. Alors cette atmosphère primitive, je suis désolé, la diapositive est un peu floue, mais cette atmosphère primitive, c'est une atmosphère qui est très différente de l'atmosphère actuelle. Alors l'atmosphère actuelle, je le rappelle, c'est surtout du diazote, 78%, de l'oxygène, 21%, et du CO2, 0,03%, maintenant on serait 0,04%, et puis H2O, donc de l'eau, très peu. L'atmosphère primitive était beaucoup plus riche en eau, vraisemblablement. Maintenant, l'eau s'est largement condensée dans les océans. Elle était beaucoup plus riche en CO2. Vous voyez que chez nous, c'est un gaz trace, il y en a très très peu. Le CO2, c'était le principal gaz après l'eau dans l'atmosphère primitive. L'azote était à des faibles teneurs et l'oxygène inexistant. Donc là, il y a une question qui est une question très importante, c'est comment on est passé de cette atmosphère primitive, qui est absolument irrespirable pour nous, à l'atmosphère actuelle. Comment cette planète est devenue habitable pour nous? Alors, la question que l'on a à se poser, je vais la simplifier. L'eau, on a dit qu'elle est partie dans les océans. Le CO2, qu'est-il devenu? Ça va être une première question. Et l'oxygène, d'où vient-il? Et si on fait disparaître l'eau et qu'on fait disparaître le CO2, ça devient naturel que l'azote devient un des gaz les plus prépondérants dans l'atmosphère actuelle. C'est une question de proportion. Donc, les questions que je vais poser, c'est comment on trouve un processus, quel processus a pu à la fois faire disparaître le CO2 et faire apparaître le dioxygène. Alors, ce processus, bon, il y en a plusieurs qui existent, mais la disparition du CO2, la disparition séculaire au cours des temps géologiques du CO2, c'est un processus qui est assez bien connu. Le CO2 qu'on avait par le passé dans l'atmosphère, aujourd'hui, il est piégé dans des roches sous forme de calcaire. Donc ici, vous avez la colline du Château à Nice. Ben, elle est construite sur quoi? Elle est formée de quoi? Elle est formée de falaises de calcaire. Et ce calcaire, chimiquement parlant, c'est un carbonate de calcium. Et un carbonate de calcium, ça a été formé comment? Ça a été formé en piégeant du CO2 atmosphérique. Donc ici, une réaction qui est peut-être largement simpliste, mais qui illustre un peu ce qui a permis de stocker du CO2 au fil des années, c'est qu'on est parti de roches silicatées comme des granites, et ici on a un minéral qui serait un silicate de calcium, qui était un granit à l'affleurement. Vous laissez au contact de l'atmosphère riche en CO2, ben ce minéral plus le CO2, ça va se transformer en du calcaire, plus de la silice qui peut se transformer en quartz. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ici, je suis parti d'une roche de type granitique et j'ai formé deux roches sédimentaires et en même temps, j'ai piégé du CO2. Alors, ça, c'était la première partie de la question. Comment on peut piéger du CO2? La deuxième partie de la question, c'est comment on peut former, produire du dioxygène? Alors là, je suis obligé de vous montrer quand même des roches merveilleuses. La roche que vous avez à...
À gauche de l'écran, là, c'est un conglomérat, c'est-à-dire une roche qui se forme dans une rivière. Vous avez ici des galets qui ont été roulés dans une rivière. Et ces galets, ce sont des galets qui sont formés de pyrite. C'est un sulfure de fer, mais peu importe. Ce qui est très intéressant, c'est qu'aujourd'hui, la pyrite, quand vous la trouvez, elle est toujours rouillée, elle est toujours oxydée. Elle est très moche, elle est couleur rouille, c'est-à-dire elle est cette espèce de couleur lie de main, rougeâtre. Par le passé, donc cette roche qui a été trouvée en Afrique du Sud et qui date de 3 milliards d'années, témoigne de conditions où on pouvait rouler des galets de pyrite dans des rivières sans que ces galets s'oxydent. Alors comment c'est possible ça? Ben, c'est possible si l'atmosphère et la rivière n'ont pas d'oxygène disponible pour oxyder ces galets. Donc ce qui est merveilleux avec ces roches, c'est que ce sont des roches qui se sont formées il y a 3 milliards d'années, mais que depuis que l'atmosphère est oxydante, on ne peut plus former ces roches-là. Ça n'existe plus. Si vous mettez un galet de pyrite dans une rivière, il devient comme ça. Donc ça, c'est une roche qui s'est formée avant le grand événement d'oxygénation de l'atmosphère. Et le grand événement d'oxygénation de l'atmosphère, c'est quelque chose qui est extrêmement bien documenté, extrêmement bien connu, parce que ça a donné lieu à la précipitation de tout un tas d'espèces chimiques. On avait, avant l'oxygénation de l'atmosphère, beaucoup de fer sous une forme réduite, on dit en chimie, dans l'océan. Et au moment où l'atmosphère s'est oxydée, tout ce fer s'est transformé en fer oxydé, qui est une espèce très peu soluble et qui a précipité. Ça a formé des roches magnifiques qu'on appelle les fers rubanés, qui sont des roches qui sont nos principaux gisements de fer, qui sont utilisés pour faire l'acier. Et l'acier, c'est la substance utile qu'aujourd'hui on consomme le plus, hein, la substance utile métallique que l'on consomme le plus. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez bien documenté. Et si on regarde à quelle période se sont formés ces fers rubanés, ben ils se sont formés il y a exactement 2,5 milliards d'années pour l'essentiel d'entre eux. Il y a quelques petites exceptions dont je ne parlerai pas dans cet exposé. Donc ça, c'est très intéressant. Mégalé à pyrite, là, je vous disais qu'ils ne pouvaient pas se former à la période actuelle, ben eux, ils se baignaient dans leur rivière il y a 3 milliards d'années. Aujourd'hui, ben, on ne pourrait plus baigner de tels galets, ils se transformeraient en oxyde de fer et ils seraient rouillés. Et le moment où on a oxygéné massivement l'atmosphère, c'était il y a 2,5 milliards d'années, ça ce sont les roches qui nous le disent, c'est cette période où on est passé d'une atmosphère difficilement respirable pour nous à une atmosphère facilement respirable pour nous. Petite anecdote, vous regardez sur cette courbe, les teneurs en oxygène atmosphérique sont extrêmement élevées aujourd'hui par rapport à le passé. On en avait 1 million de fois moins dans le passé d'oxygène dans l'atmosphère. Mais il y a quand même eu un pic d'oxygène au moment du Carbonifère où on avait un peu plus d'oxygène que maintenant. Et là, il y a une autre chose que je trouve assez passionnante, c'est que la taille des insectes aujourd'hui est très limitée par la disponibilité en oxygène. Les insectes, ils ont un système de respiration respiratoire qui n'est pas du tout comme le nôtre, avec des poumons, etc. Ils ont un système qui est avec des réseaux anastomosés où à peu près chaque cellule de leur corps est en contact direct avec l'extérieur, plus ou moins. Et du coup, plus on met d'oxygène dans l'atmosphère, plus les insectes peuvent se développer. Et au Carbonifère, on avait beaucoup plus d'oxygène dans l'atmosphère et du coup, on avait des insectes qui pouvaient se développer et être bien plus gros que maintenant. Et on a des fossiles de libellules bien connus, comme ce Méganeura, avec des envergures de 68 cm. Ça commence à faire de très belles libellules. Donc là, j'ai à peu près montré des témoins de l'apparition de l'oxygène dans notre atmosphère. Maintenant, il faut que je donne un processus. Comment cet oxygène est arrivé sur Terre? Alors, il en existe tout un tas de processus qui peuvent expliquer l'oxygénation de l'atmosphère. Mais je vais vous présenter là le plus simple, et puis c'en est un qui est assez séduisant et qui a pignon sur rue. C'est tout simplement la photosynthèse, c'est-à-dire ce qui permet à vos plantes tomates de se développer. Que fait votre plante tomate? Ben, votre plante tomate, il vit non pas d'amour et d'eau fraîche, mais il vit de lumière, de CO2 et d'eau. Donc, vous arrosez vos tomates, la feuille de votre plante tomate fixe du CO2 atmosphérique, et grâce à la lumière, elle fabrique sa matière organique, elle pousse, et elle produit du dioxygène. On va dire que le dioxygène, c'est le déchet du métabolisme des plantes, d'une certaine manière. Donc là, on a un processus qui est extrêmement séduisant, parce qu'en plus de produire l'oxygène, il contribue à faire baisser le CO2 atmosphérique. Et on a vu que c'était un problème. Au début de l'histoire de la Terre, on avait beaucoup de CO2 atmosphérique, on en a moins maintenant.
Voilà, alors là j'ai parlé de la composition de l'atmosphère et le climat alors du coup. Avec tout ça, on a vu que le CO2 diminue, l'oxygène augmente. Alors le climat, ça aussi c'est quelque chose que les géologues connaissent assez bien et documentent assez bien. Et c'est d'autant plus vrai que l'on regarde des périodes proches. Par exemple, si on regarde les périodes, l'Europe il y a 20 000 ans, ben, on a carrément des traces de nos prédécesseurs scientifiques. Là, ça avait l'air d'être des bons naturalistes biologistes. Qui ont identifié des populations de mammouths laineux, ça ressemble aux rennes du Père Noël. Moi, je suis pas un très bon biologiste, mais j'arrive encore à reconnaître ça. Et qui montre qu'ici, sous nos climats, on avait plutôt des animaux qu'on attend sous des climats plus froids. Et du coup, l'Europe, il y a une vingtaine de milliers d'années, était largement sous des climats plus glaciaires, avec des présences de glace bien plus au sud que leur présence actuelle. Donc voici l'Europe aujourd'hui, les glaces sont restreintes vraiment aux parties les plus polaires, et puis ça c'est l'Europe, puis la Terre plus généralement il y a 20 000 ans, avec les glaces qui descendaient bien plus au sud, bien plus près de l'équateur. Alors bon, ça c'était pour vous donner un exemple très concret des changements climatiques aux petites échelles de temps. Je vais essayer de faire un changement d'échelle de temps, aller voir aux échelles de la centaine de millions d'années. Et là, pour illustrer les changements climatiques à l'échelle de la centaine de millions d'années, on peut prendre l'exemple de la Provence, qui est un exemple bien documenté, qui est un exemple proche du festival Miss Fiction. Alors, la Provence, je vais prendre quelques fossiles bien choisis de trouver en Provence et vous montrer comment ils peuvent aider à reconstituer des changements climatiques. Donc, si on regarde dans le Carbonifère de Provence, donc ici on est dans l'Hérault, et on trouve des espèces de fossiles avec des choses écailleuses comme ça, que les biologistes sont capables d'identifier au premier coup d'œil comme étant le tronc, même si le terme est un peu abusif, de fougères arborescentes. Et les fougères arborescentes, ce sont des organismes qui n'existent actuellement que dans les forêts tropicales. Donc à partir d'une démarche d'actualisme, c'est-à-dire qu'on dit que si aujourd'hui on a ça que sous des climats tropicaux, ça devait être la même chose par le passé. Donc c'est une hypothèse assez importante, mais il faut en avoir conscience, mais c'est la seule qu'on puisse faire finalement. Il n'y a pas de raison que ça ait changé. On peut dire qu'on avait probablement des forêts tropicales humides en Provence au Crétacé. Au Permien, quelques millions d'années après, quelques dizaines de millions d'années après, on avait un climat qui faisait des espèces de boue qui se desséchait, qui craquelait comme cela. Donc sûrement un climat plutôt sec, plutôt aride. Et c'est quelque chose qui est confirmé si je passe quelques millions d'années et que je passe au Trias, l'époque qui suit directement après, où on a précipitation de dépôts de sel et de gypse, qui sont des roches qui se forment typiquement dans les lagunes sous les climats arides. Donc on a des climats qui étaient vraisemblablement plus chauds que maintenant. Alors la chaleur, ça se discute, l'aridité, ça se discute un peu moins. Je continue à me rapprocher de notre époque. Au Jurassique, moins 150 millions d'années, on a des magnifiques fossiles de coraux. Ceux-ci sont de nouveau, je pense, dans l'Hérault. Et ça, c'est quelque chose qui ressemble fortement aux fossiles de coraux qu'on a actuellement autour de cet atoll, par exemple. Donc la Provence au Jurassique n'avait probablement rien à envier d'un point de vue touristique à la Provence au Quaternaire. Je continue à me rapprocher de maintenant. Au Crétacé, on a des terrains rougeâtres qui ressemble beaucoup aux cuirasses latéritiques qu'on trouve sous les climats tropicaux, cette espèce de sol rouge assez peu fertile que l'on trouve sous les tropiques, ceux qui ont voyagé. Il y a 30 millions d'années, dans les lacs du Languedoc, mais il ne faisait pas bon se baigner parce qu'on a pu trouver des fossiles de crocodiles ou de crocodiliens, d'espèces crocodiliens. Actuellement, on n'a pas de crocodiles ailleurs que sous des climats bien plus chauds que le climat méditerranéen. Donc je suis allé très très vite là, je vous ai montré quelques fossiles, l'idée c'est pas d'être exhaustif, mais c'est de vous montrer que on peut avoir un faisceau d'arguments pour remonter sur ces climats. Et donc au Carbonifère, c'était plutôt tropical avec les fougères, puis sec, tropical, chaud. Aujourd'hui, on n'a plus rien de tout ça. Donc le climat était plus chaud en Provence du Carbonifère à l'Oligocène que maintenant. Maintenant, deux hypothèses. Le climat était plus chaud en Provence parce que depuis, la Provence a migré vers le nord. Première hypothèse, c'est un problème de tectonique des plaques. Le climat global de la Terre n'a pas changé, mais comme les plaques bougent,
Peut-être que c'est tout simplement ça qui s'est passé. Petit à petit, on se rapproche des pôles. On s'éloigne des tropiques. Deuxième hypothèse, la Provence ne s'est pas beaucoup déplacée, ou en tout cas, c'est pas ça qui compte, qui explique les changements climatiques, mais c'est plutôt un changement global. Donc là aussi, bah, la seule manière d'apporter une réponse à ça, bah, c'est de regarder des enregistrements plus globaux et de ne pas se contenter de ce qui passe en Provence, mais de comparer ce qu'on avait. Alors là, on a la géographie au Crétacé, ici la géographie au Carbonifère, et de regarder sur toutes les positions, donc il faut refaire la géographie, il faut déplier la tectonique des plaques, et regarder jusqu'où on a des sédiments glaciaires, qui nous indiquent les climats plutôt polaires, jusqu'où on a des sols latéritiques, qui sont typiques des climats avec alternance de saisons sèches et humides, c'est-à-dire des climats tropicaux. Et à partir de ça, on peut avoir une idée de comment ont évolué les climats. Alors, je continue à changer d'échelle de temps. Donc, au départ, je vous avais fait le climat tel qu'il était illustré dans les grottes, à l'échelle de la dizaine de milliers d'années. Là, j'avais fait les climats à l'échelle de la centaine de millions d'années. Si on passe au climat plus ancien, donc les climats du précambrien, avant qu'il y ait des fossiles simples à étudier pour comme témoin de paléoclimat. Alors, il y a un très très bel événement qui s'est produit il y a 700 millions d'années à peu près et qui est illustré par ces formations géologiques. Alors, je vais vous en parler un peu, d'autant plus que ce monsieur a une très très belle tête de géologue, donc je vais en parler. Ici, vous avez des dépôts qui sont stratifiés avec des couches les unes sur les autres. Ça, c'est typique des sédiments, des roches qui se déposent tranquillement dans des bassins océaniques, par exemple. Et dans ces dépôts qui se sont déposés tranquillement, on voit des espèces de gros blocs qui ont l'air d'être tombés dans ces sédiments et qui ont déformé les petits niveaux sédimentaires. Alors ça, c'est quelque chose que les géologues connaissent, et il y a un seul moyen à leur connaissance pour expliquer ça, c'est par des transports, par des icebergs. Vous imaginez ici une calotte qui transporte des gros débris, des blocs comme celui-ci, puis cette calotte, elle finit par donner des icebergs qui vont pouvoir naviguer. Ils vont naviguer jusque loin des côtes où on a des sédiments très fins, argileux, là, bien tranquilles. Et au milieu de ces sédiments argileux, bien tranquilles, d'un seul coup, l'iceberg qui fond fait tomber un gros bloc. En anglais, on appelle ça les ice rafted debris, c'est-à-dire des débris qui ont été transportés et lâchés par la glace. Et donc, on a cette espèce de bloc qui est venu et qui témoigne de quoi ? Mais qui témoigne qu'à cette époque-là, et là, je ne l'ai pas dit ici, c'est écrit ici, on est en Namibie, qui était déjà à peu près à sa position actuelle, elle n'a pas beaucoup bougé, la Namibie, ben, à cette position-là, on avait des glaces, ce qui est loin d'être le cas en Namibie, hein, qui est aujourd'hui largement désertique. Alors ça, c'est un argument, je pourrais en donner d'autres, hein. Donc en plus de ces blocs qui sont tombés, qui sont venus impressionner les sédiments fins, on a des galestriers, qui sont aussi des choses très bien connues. Si vous allez vous balader dans le parc du Mercantour, vous pourrez en trouver dans certains coins, et puis typiquement la vallée des merveilles est striée à bien des endroits. Et puis on a des sédiments très mal triés, c'est-à-dire qu'ici on a dans ces roches-là à la fois des gros blocs, à la fois des blocs plutôt petits, et à la fois des poussières infinitésimales. Et actuellement, ben, ce n'est ni le vent ni les rivières qui sont les agents de transport qui permettent de faire ces roches, mais il y a bien uniquement les glaciers qui permettent de tout transporter, qui est un énorme bloc ou une petite crotte de nez qui tombe sur un glacier. Le glacier transporte tout sans réfléchir et vient déposer ses sédiments mal triés. Et vous voyez, tout ça, c'est en Namibie, en Mauritanie, etc. Donc, dans les années 2000, il y a eu des chercheurs qui ont dit, ben, à cette époque-là, on a des sédiments glaciaires, y compris dans des zones tropicales, et donc on a dû avoir un épisode climatique majeur de bouleversement climatique qui était la terre-boule de neige, en anglais c'est la snowball earth, et donc... La Terre telle qu'on la connaît actuellement était sans doute très différente il y a 700 millions d'années. Alors, après avoir parlé de cet événement extrême, je vais doucement aller vers le futur de notre planète. Alors, ce qu'il faut quand même savoir, c'est que dans l'évolution climatique, qu'est-ce que je vous ai dit ? Je vous ai dit que depuis le début de l'histoire de la Terre, on a toujours moins de CO2. Alors là, bon, je ne veux pas être traité de climato-sceptique, je parle à l'échelle des temps géologiques de plusieurs millions, voire plusieurs milliards d'années ici. Effectivement, sur le dernier siècle, on réaugmente un peu nos teneurs en CO2 atmosphérique, mais on est passé de 0,03% à 0,04%.
alors qu'à une époque, on était à plusieurs dizaines de pourcents. Donc, on va dire que la tendance générale, depuis 4 milliards d'années, c'est de moins en moins de CO2. Simplifié comme ça. Pendant ce temps-là, alors si vous savez l'effet du CO2, vous savez que c'est en général on en parle comme un puissant gaz à effet de serre. C'est ça qui pose un problème dans les teneurs de CO2 atmosphériques actuelles. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y avait beaucoup plus d'effets de serre au début de l'histoire de la Terre que maintenant. Plus ça va, moins on a de gaz à effet de serre. Alors il y a quelque chose qui est assez amusant sur Terre, c'est que en même temps que on a de moins en moins de gaz à effet de serre, c'est ce diagramme-là. On a ce diagramme qui montre en fonction de l'âge du Soleil, de notre étoile, comment celui-ci émet de l'énergie, rayonne de l'énergie. Et ce qu'on voit, c'est que moins il y a de gaz à effet de serre, finalement, ben, heureusement qu'il y a de moins en moins de gaz à effet de serre, puisqu'il y a de plus en plus d'énergie rayonnée par le Soleil. Au début de l'histoire de la Terre, on avait 10 000 fois plus de gaz à effet de serre, mais on avait le Soleil rayonné à peu près 50% d'énergie en moins. Donc ça, c'est quelque chose qui est aussi bien documenté. Alors c'est intéressant, parce que du coup, notre Terre est à peu près thermostatée. Il y a de moins en moins de gaz à effet de serre, mais le Soleil chauffe de plus en plus. Et le fait qu'elle soit thermostatée, pardon, c'est quelque chose qui est illustré. Là, on a ici des enregistrements isotopiques dont j'ai largement passé le principe de la méthode, mais qui montrent la température moyenne des océans depuis 3,5 milliards d'années. Et on voit que les températures, bon, elles ont fait un peu le yo-yo, mais elles sont passées d'à peu près 50 degrés à peu près entre 0 et 15 degrés. Bon, pour moi qui suis frileux, j'aurais préféré me baigner à l'Archéen que maintenant dans certains océans. Mais on voit qu'on est resté dans le domaine du supportable pour la vie, en tout cas. Alors, et la suite, donc là, je change de casquette, je me déguise en Nostradamus. Parce que là, qu'est-ce que je viens de dire? On a de moins en moins de CO2. Là, on est dans la force de l'âge de notre planète. Qu'est-ce qui va se passer pour la suite? Et puis, la puissance du Soleil, parallèlement à ça, elle va continuer à augmenter. Donc, essayons de regarder un peu ce qui va se passer. Alors, je ne vais pas être extrêmement optimiste. Je vais parler de la fin du monde. Et donc, cette fin du monde, à quoi elle va pouvoir ressembler? Alors, à court terme, déjà, si je suis un peu catastrophiste, tout autour de l'histoire de la Terre, il y a eu des impacts de météorites. Je vous ai dit qu'il y en avait beaucoup moins maintenant qu'avant, mais on n'est pas à l'abri d'un gros impact. Et il y a des programmes de recherche scientifique, notamment menés à Nice, sur comment dévier des astéroïdes si ceux-ci venaient à devenir dangereux. Un autre point important, avec un danger qui guette à relativement court terme pour un géologue, à l'échelle de quelques millions ou quelques dizaines de millions d'années, c'est une méga éruption volcanique. Bon, ça, c'est un aperçu possible de la fin de notre monde à nous, en tout cas de la vie humaine. Maintenant, si on continue sur les tendances vraiment long terme, la tendance long terme, c'est que depuis le début de l'histoire de la Terre, il y a de moins en moins de CO2. Ce CO2 va continuer à baisser, alors il ne va pas pouvoir baisser beaucoup, parce que là, déjà, il n'en reste plus beaucoup, il en reste 0,03%. S'il continue à baisser, ça va être extrêmement compliqué pour nos cousines les plantes, sur laquelle repose l'essentiel des chaînes alimentaires, parce que actuellement, c'est à leur base de leur métabolisme. Si on enlève le CO2, pour l'instant, les plantes fonctionnent bien avec 0,03% de CO2. Elles ont réussi à s'adapter à la diminution séculaire du CO2. On ne sait pas jusqu'à quand, quoi. Quand il y aura vraiment plus beaucoup de CO2, que tout aura été séquestré dans des calcaires, ça risque de devenir assez compliqué. De toute manière, encore une fois, on ne va pas pouvoir descendre beaucoup plus que ça les teneurs en CO2 et donc l'effet de serre. Par contre, quelque chose qui va continuer, c'est le Soleil qui va rayonner de plus en plus. Et dans l'histoire de la vie du Soleil, actuellement on est ici, et vous voyez qu'il va continuer à chauffer, grossir, et dans à peu près 5 milliards d'années, ça va commencer à chauffer très très fort pour nous. Alors voici des simulations. Ça c'est avec le flux solaire actuel, la température des océans. Donc ici on est autour de 20 degrés, ici on est autour de 30 degrés. Dans 1 milliard d'années, il y a des gens qui sont amusés à faire des simulations, et dans 1 milliard d'années, ben, l'océan il sera à 70 degrés. Encore une fois, pour moi qui suis frileux, ce sera un peu plus confortable. Et puis là où ça deviendra un peu compliqué, c'est dans 2 milliards d'années où là on pourra faire directement bouillir les nouilles dans l'océan, parce que l'océan bourra dans 2 milliards d'années. Et ça, on n'y peut absolument rien. Ça sera vraisemblablement la fin de la vie sur Terre.
millions de milliards d'années, sauf révolution biologique. Première facette de la fin de la vie sur Terre. Deuxième facette, donc j'ai parlé des impacts de météorites, il y a quelque chose d'encore plus dramatique qui nous guette, c'est l'instabilité des orbites des planètes. Donc ici, vous avez les orbites de Mercure, Vénus, Terre, Mars, et il a été démontré assez clairement que ces orbites n'étaient pas stables sur les longues échelles de temps, et il est fortement probable que dans quelques milliards d'années, on ait un impact entre deux planètes, et par exemple un impact entre Vénus et la Terre se tournerait vraisemblablement très mal pour les deux planètes. Et si par hasard on échappe à ces collisions, ben, il nous reste quand même un problème, c'est que pour l'instant je vous ai parlé du Soleil qui chauffe, qui chauffe, qui chauffe jusqu'à l'ébullition des océans, ça c'est dans 2 milliards d'années, mais si on attend encore 2 milliards d'années, le Soleil aura tellement grossi que, alors vous regardez ici c'est actuellement le Soleil avec sa taille actuelle et le cercle c'est l'orbite de la Terre, et à côté vous avez à la même échelle des géantes rouges, et c'est ce qui nous attend, c'est ce qu'attend le Soleil. Et vous voyez que le Soleil deviendra suffisamment gros pour que l'orbite de la Terre soit directement dans la photosphère, à l'intérieur du Soleil. Donc là, c'est à peu près certain que la Terre fondra, voire sera vaporisée. Il ne restera absolument plus rien de notre belle planète. Alors, l'évolution de la vie sur Terre, j'ai envie de dire qu'on n'a qu'un seul salut, c'est la fuite. Heureusement, bon, on a des compatriotes qui sont spécialistes là-dedans. L'évolution de nos seules perspectives, alors lesquelles sont-elles? Ben, il va falloir quitter notre planète. La question, c'est pour où? Et là, les scénarios vont bon train, mais un scénario possible, c'est de quitter notre planète au fur et à mesure que le soleil va chauffer pour aller un peu plus loin, où actuellement il fait plus froid, mais peut-être que ça sera beaucoup plus confortable dans quelques milliards d'années. Donc la première chose qu'on peut imaginer, c'est une migration pour échapper à notre étoile, petit à petit, en allant de plus en plus loin de notre étoile. Alors ça serait une migration à l'intérieur de notre système solaire, et puis après, bon, on est dans un festival de science-fiction, et il faut imaginer aussi la très grande migration avant l'explosion du soleil, hein, qui probablement avoir lieu peut-être dans 5 ou 6 milliards d'années. Et donc là, il va falloir quitter notre système solaire pour aller vers d'autres systèmes solaires. Alors, on découvre chaque jour de nouvelles exoplanètes, donc on sait qu'il en existe. Ça aussi, c'est quelque chose de merveilleux, parce qu'il y a 20 ans, on n'en connaissait pas, quoi. C'est quelque chose de complètement récent. Mais maintenant, on en connaît plusieurs milliers, sûrement plusieurs dizaines de milliers. Le seul problème, ici, je vous ai mis celles qui pourraient être le plus habitables, pour autant on les connaît assez mal. Ici, vous voyez la distance en années-lumière, 4 années-lumière, 12 années-lumière, etc. Donc, il va quand même falloir se préparer à des longs voyages, surtout qu'on est très très loin d'atteindre la vitesse de la lumière. Aujourd'hui, on dépasse rarement 0,02% de la vitesse de la lumière. Donc, il va falloir vraiment se préparer à attendre très longtemps si on reste dans des vaisseaux comme on a actuellement, ou faire confiance à nos ingénieurs. Et là, il faut quand même se rappeler que si on remet ça à la loupe des temps géologiques, que ça ne fait pas si longtemps que ça qu'on vole, et que les progrès en termes de technologie sont assez faramineux. Donc ici, vous avez un véhicule volant de 1783, ici de 1900, ici des années 2000, 2020, et puis voilà, bon, bah, que font nos ingénieurs, quoi? Il est temps à préparer notre fuite de dans 4 milliards d'années. Voilà, donc c'est ma diapo de fin. Donc dans cet exposé, donc, je vous ai présenté un peu notre Terre, qui actuellement est largement vivable malgré les temps un peu tristes qui ont couru ce printemps. Bon, mais il faut rappeler que c'est quand même une grande chance et que c'était loin d'être le cas, cette habitabilité, il y a 4 milliards d'années, quand elle était chauffée à blanc par les impacts de météorites, ou il y a 700 millions d'années quand tout était gelé, ou ce que sera la situation dans 4 milliards d'années quand tous les continents commenceront à bouillir. Donc je m'arrêterai là-dessus en espérant que ça inspire certains collègues, illustrateurs ou auteurs, et en espérant ne pas avoir endormi mon public. Merci beaucoup de votre attention. Merci Clémence pour cette super présentation. Donc on apprend bien que du coup les roches
nous apprennent beaucoup de choses sur le climat passé et son évolution. Alors, il y avait une petite question concernant, si on reprend à l'origine de la formation de la Terre, où tu as parlé de fusion, de roche en fusion. Donc, il y a la question, c'était est-ce que la roche était complètement fondue ou c'était de la fusion partielle Ah, alors là, j'ai eu un débat il n'y a pas très longtemps avec un collègue là-dessus. Les océans magmatiques, c'est quelque chose qui est très bien documenté pour la Lune, par exemple. On sait que la Lune est passée par un stade de fusion totale. Ça, c'est des arguments géochimiques, à partir de la composition des objets que l'on a en surface de la Lune, qu'on analyse et dont on trace les spectres, notamment en éléments de trace, on peut avoir une idée et savoir que la Lune a été totalement fondue et à recristalliser après cet épisode de fusion totale. Pour la Terre, c'est un petit peu délicat, c'est à peu près certain, sur le même genre d'argument géochimique, qu'il y a eu un océan magmatique. La seule question qui persiste un peu, c'est si l'océan magmatique était totalement développé ou s'il y avait encore des roches pas tout à fait fondues en bas d'un immense océan magmatique. Mais oui, on est vraisemblablement passé par une époque où notre Terre silicatée, notre Terre rocheuse était fondue. Eh bien, merci pour la réponse. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pour l'instant, il n'y en a pas. On a encore quelques minutes, donc moi, j'ai une question. Tu as parlé à la fin des autres planètes et tu as parlé de la tectonique des plaques sur Terre. Donc, je ne sais pas si tu as un peu abordé ça rapidement, mais est-ce qu'on a des traces de tectonique des plaques sur les autres planètes qui pourraient être peut-être un point de départ, on va dire, pour la vie ou pas, d'ailleurs. Alors, la tectonique, alors je vais répondre à ta question en deux temps. Est-ce qu'on a des tectoniques des plaques sur les autres planètes? Alors, tectonique active, c'est. Alors, pour avoir une tectonique active, il faut arriver à instrumenter des planètes. Pour l'instant, les planètes, elles n'ont pas beaucoup été instrumentées. Il y a la Lune sur laquelle on a déposé des sismomètres. Il y a Mars, où il y a une mission InSight, sur laquelle on a déposé également des sismomètres, justement pour juger de cette activité. Sismique, s'il y a des séismes, c'est que ça bouge et qu'il y a une tectonique. Alors, bon, je fais un peu un raccourci parce que sur la Lune, il y a une sismicité, mais qui est liée uniquement au phénomène de marée et pas spécialement à une tectonique avec des plaques. Mais tout ça pour dire qu'actuellement, les planètes sur lesquelles on se pose vraiment les questions, il y a Mars, évidemment, où on a des failles, on a tout un tas d'arguments pour dire qu'il y a eu une tectonique. La seule question, c'est est-ce qu'il y en a encore ou pas? Est-ce que ça bouge encore ou est-ce que ça bouge pas? Et je pense que ça va être. On aura des réponses avec InSight. Je ne me tiens pas extrêmement au courant de la mission InSight, mais je pense qu'ils ont enregistré les premiers Marsquakes, comme ils appellent ça. Et voilà. Après, bon, dans le système solaire, on a d'autres planètes qui sont fascinantes. Alors, on a sûrement des tectoniques sur les satellites glacés de Jupiter, où on a également énormément de magmatisme. Et là aussi, on a des structures qui ressemblent à des structures tectoniques. Ce qui est un peu délicat, c'est de savoir si c'est encore actif ou pas. Parce qu'on a des choses déformées, on les voit bien. Maintenant, est-ce qu'elles sont encore en train de se déformer? C'est un autre problème. Et puis, on a du vol, à défaut d'avoir une tectonique, on a du volcanisme. Et ça, c'est très très clair sur certaines planètes, et notamment sur Vénus, où il y a un volcanisme assez phénoménal. Donc, ça existe sûrement. Après, une autre question, c'est est-ce que c'est quelque chose de nécessaire à la vie? Parce que je l'ai relié sur l'évolution de la Terre. Est-ce qu'on pourrait vivre sans tectonique? Il reste la question des reliefs, quoi. C'est-à-dire que pour l'instant, on vit sur des terres émergées et sur des terres immergées. S'il n'y a plus de tectonique et qu'on laisse tranquillement agir l'érosion, on va rapidement finir sur des planètes océans. Et donc, s'il y a une vie, ça ne sera pas la même que la nôtre, quoi. Sinon, ce sera la même que la nôtre au mois d'août quand on a un masque, des palmes et un tuba, quoi. Ça marche. Alors, il ne nous reste pas grand-chose. Je crois même qu'on arrive au terme de notre créneau. Une petite blague que tu as faite, tu nous as parlé que quelqu'un avait une bonne tête de géologue. C'est quoi pour toi une bonne tête de géologue? Non, j'en sais rien, mais c'est l'image du géologue, c'est le. Bah, la géologie, c'est quand même une science de terrain. Là, c'est très dur de brasser tous les thèmes de l'évolution de la Terre sur un si petit temps. Mais on a quand même voyagé au Groenland, on a voyagé en Australie. Je vous ai montré des images de Mauritanie.
Bon, on va pas se cacher, on a quand même parlé du Languedoc, de la Provence, qui est une jolie région aussi. Donc tout ça pour dire que les arguments pour décrire une histoire et faire une histoire très très globale de notre planète, on est allé la chercher dans des petits exemples locaux. Et c'est quand même pas mal le métier du géologue d'aller échantillonner des roches où il pense qu'elles ont des informations à apporter, de rentrer dans son laboratoire et d'essayer de faire parler les roches. Donc c'est le géologue, il a sa période où il est en short, en débardeur et avec la casquette et l'écran total et le marteau et la barbe longue mal rasée pour aller échantillonner ses roches. Et puis il a sa période où il rentre et il dissout ses roches, où il les analyse. Et puis il a la période comme tout le monde où il est devant un ordinateur et il partage ses résultats. Mais Ok, voilà, la tête du géologue, c'est la tête du géologue de terrain, j'aurais dû préciser. super. Ben merci Clément pour toutes ces précisions. On va être obligé de s'arrêter là, donc je suis désolé si vous avez des questions et que j'ai pas eu le temps de les poser. Merci encore à Clément, merci à vous tous Anthony. d'avoir suivi cette conférence en 100% virtuelle, donc pendant le Festival Nice Fiction 2020. Je vous invite à continuer à suivre les animations, les interventions des prochaines heures et de demain. Notamment, il y a une conférence demain qui est un peu dans le même sujet, mais beaucoup plus restreint d'un point de vue durée, temporelle. Ce sera la conférence de Nicolas Martin sur l'évolution du climat du 19e siècle, du début du 19e siècle jusqu'à la fin du 21e. Donc voilà, si ça vous intéresse, vous êtes évidemment les bienvenus. Merci à tout le monde, bonne fin de journée et bon festival. Au Merci, revoir. au revoir. Cette table ronde vient de se terminer, mais le festival continue tout le week-end. Le programme complet est disponible sur nice-fiction.fr. Les stands vous attendent sur notre serveur Discord. Pensez également à visiter nos expositions 3D et n'hésitez pas à intervenir dans le chat des conférences et tables rondes si vous avez des questions.